Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour votre point météo de la soirée. Alors, la Martinique est repassée en vigilance verte. On retrouve toujours une masse d'air qui reste humide et assez instable dans un flux d'alizés modéré. Les averses de cet après-midi n'ont pas donné de cumul significatif au niveau des plaines ou même des reliefs. Et pour ce soir, eh bien, ce soir, après une belle période d'accalmie en début de soirée, le ciel se charge à nouveau. En seconde partie de nuit, on aura le retour de quelques averses, principalement sur les reliefs. Et pour vos températures, attendez-vous quand même à 25 degrés sur Trinité, sur le François et à peu près 24 degrés sur le Lamantin. Pour demain, lundi, eh bien après une matinée plutôt ensoleillée, le ciel se charge à nouveau. Sur les reliefs, toujours avec des averses modérées à localement orageuses. Mais bien sûr, on aura un retour d'un temps beaucoup plus calme qui se profile pour la soirée, avec de très belles éclaircies d'ailleurs. Pour vos températures, il fera assez chaud. On note 31 degrés sur Fort-de-France et Lamantin et 30 degrés à Trinité. Le vent de secteur est à sud-est, il sera faible à modéré, il va souffler entre 10 et 20 km/h. À proximité des rafales, on aura quand même des rafales de 60 km. Et pour la mer, eh bien, elle sera très peu agitée en Atlantique avec des crues de 1,20 m. Et sur la côte Caraïbe, elle sera très peu agitée au large, on va retrouver des crues moyens inférieurs à 1 m. Passons maintenant à vos prévisions pour les prochains jours. Alors mardi, le soleil est enfin de retour dans une atmosphère légèrement brumeuse. Par contre, le beau temps va se poursuivre sur la journée de mercredi qui sera plutôt ensoleillée avec le passage de quelques nuages générant quand même des averses sur les reliefs. On aura une petite dégradation qui est quand même attendue au niveau de la nuit suivante avec l'approche d'une nouvelle onde tropicale qui sera quand même modérément active sur la journée de jeudi. Et bien là, on va garder en matinée un temps assez nuageux avec des averses et ensuite le temps va s'améliorer, laissant place quand même à de très belles éclaircies dans l'après-midi pour cette journée. Enfin, vendredi, le soleil est dominant. On aura de rares ondées quand même, principalement sur les reliefs, donc sur le Morne Rouge ou encore sur Saint-Pierre. Et pour les températures sur cette semaine, la maximale est quand même de 32 degrés et la minimale sera à 25 degrés. Demain, nous serons le lundi 22 août. Le soleil, lui, va se lever à 5h51 et se coucher à 18h22. La pleine mer est prévue à 22h19 et la suivante à 23h02. La basse mer à 7h23. Et demain, on pourra souhaiter une excellente fête à tous les Fabrices. Merci d'avoir suivi ce bulletin. Je vous souhaite une excellente soirée en compagnie des programmes de Via TV.